soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terrain. L'âme pend sous les yeux. Je marche avec mon sauveur. Psaume chapitre 95, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 95, nous lisons la parole de Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa, dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi, amen. Conduis-moi, Seigneur. Jésus, conduis-moi, jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Encore ce soir, notre Père, que tu puisses vraiment nous parler et nous te remercions. Déjà par les psaumes, tu nous as déjà parlé, Seigneur, en nous montrant combien nous devons être attentifs à ta voix, à toi. Seigneur, nous voulons vraiment aujourd'hui encore nous accrocher à toi et obéir à ce que toi tu nous demandes. Parce que ce que tu nous dis n'est pas très difficile, Père.
L'amour que tu as placé dans nos cœurs pour toi nous pousse à pouvoir réellement t'obéir et te servir encore davantage avec dévouement, avec zèle, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es vraiment le Dieu qui nous a accordé encore ce soutien, ce secours encore en cette journée tout entière. Nos enfants ont été à l'école, Seigneur Jésus, et tu les as accordés aussi à venir encore ce soir. Ils t'ont chanté aussi les chants des Sion, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous te remercions pour chaque frère et chaque sœur qui aujourd'hui encore a pu élever sa voix pour te dire encore merci. Tu es digne d'être adoré par. Merci aussi pour la chorale. Merci pour chaque frère. Merci pour chaque sœur. Seigneur, nous sommes vraiment à ton service, à toi, pour réellement te servir avec dévouement de tout notre cœur, parce que tu es le seul qui a su nous comprendre. Le seul qui a su arriver, Père Tibissant Dieu, à toucher nos cœurs, Père Tibissant, qui nous a vraiment compris, Seigneur, et qui a pu voir effectivement aussi notre faiblesse et qui nous relève, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour tes compassions à notre endroit, pour tes bienfaits et pour tes hauts faits, Seigneur. C'est pour ça que nous poussons des cris de joie, parce que tu es réellement notre Rédempteur, le Dieu que nous servons de tout notre cœur. Nous crions aussi, Père Saint-Dieu, mais quel autre aurais-je au ciel que toi? Sur la terre, nous ne prenons plaisir qu'en toi, notre Dieu. Et cela est vrai, Seigneur. Ce ne sont pas les paroles seulement que nous prononçons, mais nous ne prenons plaisir qu'en toi. Parce que tout autour de nous, il n'y a que l'échec, mon roi. Mais la consolation que nous avons, Seigneur, c'est toi qui nous l'apportes, mon sauveur. C'est pourquoi nous te disons vraiment merci et que nous ne prenons plaisir qu'en toi. Nous te remercions pour nos jeunes filles, Seigneur. Nos jeunes garçons aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, Seigneur. Oh, tu es vraiment merveilleux parce que tu les gardes, tu les soutiens, tu les fortifies, Seigneur. Nous te remercions parce que tu prends soin de tous ceux que nous avons aussi, Seigneur. Sois béni encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour les cantiques, pour les psaumes, pour tout ce qui a été fait en ces lieux. Et nous voulons aussi te dire encore merci pour nos frères et sœurs dont nous prions encore davantage, mon roi, qui sont en connexion dans différents endroits, dans leurs lieux, Seigneur Jésus. Tu le connais mieux que nous, Père Tibissant, d'autres qui s'ajoutent encore davantage, mon roi, parfois qui font pas nommer, Père Saint-Dieu, mais tu le connais tous par leur nom. Qu'ils soient aussi bénis et protégés, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Oui, chaque jour, nous avons besoin de lui pour nous conduire et nous soutenir dans ces chemins dans lesquels il nous a réellement aussi placés. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Nous revenons à lui parce que nous réalisons qu'il est vraiment notre père et aussi notre berger. Et nous savons que la Bible rend témoignage de lui et déclare que lui, il restaure notre âme. Il nous conduit vraiment dans de verts pâturages. Et il nous rassure certainement, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là pour pouvoir aussi nous protéger. Et quelle grâce aussi qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Cela est aussi notre consolation, notre assurance qui est réellement que aussi longtemps qu'il est là et qu'il nous conduit, nous ne serons jamais égarés et nous ne perdrons jamais parce qu'il est vraiment notre étoile brillante. Le matin qui nous éclaire effectivement aussi et qui nous rassure effectivement que nous sommes sur le chemin puisque lui-même, il nous a fait savoir qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons cette grâce de pouvoir réellement aussi l'avoir. Et comme il ne cesse aussi de pouvoir nous le rappeler aussi, il n'aime pas le Seigneur que nous le servions par habitude. Parce que lorsque les habitudes s'installent, il n'y a plus de service réel. Le service, c'est quand on le fait avec empressement, on comprend effectivement pour quelle raison on le fait pour cette personne, effectivement. C'est là que ça prend aussi sa juste valeur.
nous ressentons cela et nous prenons plaisir à pouvoir le faire. Mais quand c'est une habitude, on ne fait pas des involtures, en fait. On les fait simplement, on doit les faire. Mais quand vraiment on est conscient et qu'on prend plaisir à cela, alors celui qu'on sert, il se réjouit aussi de service que nous lui rendons effectivement aussi. C'est pour ça que les habitudes ne doivent pas être dans la maison du Seigneur, là où le Seigneur se trouve. Parce que là où il se trouve, effectivement, nous devons le servir, mais vraiment de tout notre cœur et ce que nous sommes, avoir cette joie, effectivement, aussi. Même dans tout ce que nous faisons, parce que même quand nous jeûnons, ils posent la question, est-ce là vraiment le jeûne auquel je prends plaisir? Même dans le jeûne. Faut que nous le fassions pour qu'ils prennent plaisir, effectivement, à voir que je mortifie mon âme pour lui. Et pour qu'il puisse avoir son chemin dans ma propre vie. Enfin, que je lui redonne, en réalité, tout ce qu'il attend de moi. Et quelle reconnaissance aussi que nous avons à son endroit de ce que tout ce que le Seigneur nous demande de pouvoir faire, gloire à son Saint-Nom, il nous a déjà donné la capacité de pouvoir le faire. C'est pour ça que nous avons de la reconnaissance à son endroit pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il continue de pouvoir faire aussi aujourd'hui. Notre précieux frère Christian l'a lu dans le psaume, dit encore que aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'ayez pas l'habitude d'en dire sur vos cœurs. Que ça soit vraiment de cœur bien ouvert pour pouvoir prendre conscience que c'est pour moi que le Seigneur le fait. Mon frère et ma sœur, il va y avoir un temps où la pression sera tellement aussi forte. Oui, nous tendons dans ces choses, effectivement. C'est pour ça que chaque moment et chaque instant que Dieu nous donne l'occasion et la grâce de pouvoir voir nos frères et nos sœurs, de pouvoir nous retrouver dans un lieu où nous pouvons chanter le chant des Sion, le glorifier. En tout cas, nous devons saisir chaque occasion pour pouvoir vraiment le glorifier. Vous me direz, mes frères, en tout cas, nous, ce sera. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, lors du Covid, personne ne pouvait jamais s'y attendre. Le Seigneur nous a déjà montré effectivement ce qui va se passer. Et les gens n'ont pas prêté vraiment attention. On a fermé les églises. On a fermé des endroits. Avant Covid, vous entendez des gens crier, louer Dieu, des églises par-ci, par-là. Et après Covid, on a frappé un très grand coup. Ça, c'était le diable, en fait. Et regardez, ce n'est que comme nous l'avons, nous lisions effectivement aussi dans l'Apocalypse, effectivement, où remarquez que déjà les signaux nous ont été donnés. Les avant, hein, arrivaient des choses, effectivement, où on avait fermé des églises, hein, et la police était partout surveillant, et même, on a même insisté, les églises ne devaient pas chanter, même pas prier. Et en plus, même si on ouvrait un tout petit peu nombre de gens, pas 3, 4, 4, 5, mais 2, 3. Et vous voyez comment nous plairions. Alors ça, c'est ce que nous devons avoir à l'esprit, que le diable est en train de pouvoir préparer son travail. Oui, hein, c'est que... Mais nous aussi, nous devons réellement aussi être conscients que nous sommes vraiment au service du Seigneur et que le combat, c'est que le diable est en train de pouvoir chercher et qu'il est en train de pouvoir préparer, effectivement. C'est pour toi, c'est contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur. C'est ta vie à toi, en fait, que Satan vise. Il n'y a pas quelque chose d'autre qu'il cherche, effectivement. C'est cette vie-là qu'il vise, la tienne, en fait. L'échec, il veut que tu puisses échouer. C'est pour ça que les saintes inquiétudes montrent, frères et sœurs, et ayez pitié de vous à un certain moment, et puis ayez la reconnaissance dans le nom du Seigneur, parce qu'il nous montre déjà ce que le diable cherche à pouvoir faire. Et par sa parole, effectivement, il nous donne la grâce de pouvoir aussi arriver à pouvoir voir comment nous pouvons arriver à pouvoir vaincre toutes ces choses-là. Mais lorsque ces choses de Dieu ne t'intéressent pas beaucoup, mais lui, Satan, s'intéresse très beaucoup à toi. Et c'est ça le problème. Toi, tu négliges et puis tu dors beaucoup, tu prends plaisir à tout ce qui t'entoure. Lui, il est malin. Il s'intéresse très, très beaucoup et très bien de toi et dans le moindre détail. Et son but, effectivement, c'est de pouvoir vraiment t'achever davantage pour que tu ne te relèves pas et que tu ne voyes pas ce que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi préparer pour ceux qu'il aime.
Parce que notre maître nous a dit que je m'en vais vous préparer une place. Pensez-vous que ton adversaire, le diable, va te laisser pour que tu puisses arriver à pouvoir aller à cet endroit-là? Non, c'est ça le combat, en fait. Que nous ne comprenons pas, en fait. Nous devons, vous savez, ces gens-là, c'est qu'ils sont des, dans son cas, effectivement, ils travaillent beaucoup. Hein. Oui, 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 ils travaillent beaucoup. Ils s'y donnent vraiment beaucoup. Hein. Ils font tout. Regardez aujourd'hui comment vous avez à tout bout de chemin, à gauche, à droite. Ils se cachent plus, en fait, dans leur loge, effectivement, comment ils recrutent. Mais nous, les chrétiens, sinon, on est tellement complaisant à nos problèmes, on m'a fait ceci et cela, mais nous ne pensons pas. Mais c'est ça le problème. Nous ne pensons pas, effectivement, que nous devons travailler, effectivement. Pourquoi nous devons travailler? Ben, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que c'est ça le grand problème aussi. Vous souvenez, nous allons lire dans le livre, tiens, si, je peux mettre. Vous souvenez, nous avons lu, effectivement, ici, je pense, dans le livre de Corinthiens, chapitre 13. Nous l'avons vu, en fait, en rapport avec la charité, puis l'amour fraternel. Vous vous souvenez? Et quelque chose nous a frappé, c'est les caractéristiques qu'on trouve dans la charité. Et puis, on nous dit qu'effectivement, qu'il ne cherche pas son intérêt. C'est toujours ça qu'on doit quand même arriver à pouvoir. C'est même dans Philippiens aussi, on nous parle aussi, non? Ne regardez pas seulement votre propre intérêt, mais regardez aussi l'intérêt aussi des autres. Toujours aussi les autres. Et pour que toi, tu regardes, tu considères l'intérêt de l'autre, il faut que quelque part, toi, tu sois effacé. La difficulté que nous avons, c'est que nous, nous soyons effacés. Il n'y a personne qui veut vraiment être effacé. Parce que chacun veut vraiment qu'il soit là. Et aussi longtemps qu'on est là, l'autre ne peut pas avoir la place. Regardez très bien, frères et sœurs. Si nous avions vraiment l'intérêt des autres, quand nous prions comment? Quand nous prions vraiment, nous prions comment? La plupart du temps, ce que c'est un peu la chose qui vient à tout le monde. On expose son problème au Seigneur. Dieu te bénisse, ma précieuse sœur Dorothée. Je l'aime beaucoup parce qu'il est toujours sincère. Oui, dis ce qui sort de ton cœur. Que Dieu te bénisse, qu'il agisse encore davantage dans ta vie. Souvent, c'est ça, en fait, on expose son problème. Seigneur, fais de moi ceci. Mais en fait, on ne pense pas. En fait, on ne pense pas à la manière dont Dieu pense. C'est pour ça qu'il nous instruit, en fait. Hein? Avez-vous remarqué que dans Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 6, il dit ici, plus bas, il dit mais vos pensées ne sont pas, dont nous ne pensons pas comme Dieu pense. La manière de penser de Dieu, il nous l'a montré lorsqu'il est devenu homme. Oui, que Dieu te bénisse, ma princesse. Et la Bible nous dit qu'il ne s'est point arraché à être l'égal de Dieu. Mais il a pris la forme d'un... Alors, quand on prend la forme d'un serviteur, on sert qui? On sert qui? On sert Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que quand on sert Dieu à ce moment-là, on se sert soi-même? Non. Alors, quand on sert Dieu, on pense aux intérêts de Dieu. Alors, quels sont les intérêts de Dieu? Vous voyez, frères et sœurs, en fait, je vais simplement vous montrer quelque chose de simple pour que vous puissiez peut-être un peu comprendre bien. Hein? L'intérêt de Dieu, c'est toi. Maintenant, je veux que vous prêtiez d'abord attention. L'intérêt de Dieu, c'est toi. Est-ce que vous avez saisi? Bon. Je vous ramène dans Actes au chapitre 2. Écriture-là que vous avez, j'aime beaucoup. Si toi, mon frère, toi, ma soeur,
tu es l'intérêt de Dieu. N'est-ce pas? Alors, si, je donnerai des exemples avec de noms, hein, si Anne-Laure est l'intérêt de Dieu, vous la voyez, non? Lise aime Dieu. N'est-ce pas? Lise ne peut pas vivre sans Dieu. Il dit, Seigneur, de tout mon cœur, je t'aime. Tout ce que tu m'endras, quelle ta volonté à toi soit faite sur la terre comme au ciel, je vais faire ta volonté. Est-ce que vous comprenez? Donc la volonté de Dieu, c'est son intérêt. Donc son intérêt, c'est... Donc elle, si elle aime Dieu, qu'elle s'intéresse à l'intérêt de Dieu, elle va chercher à pouvoir aimer Anne-Laure. Tout ce qui est pour le bien d'Anne-Laure, ce sera son problème. Et Anne-Laure, si elle aime Dieu de tout son cœur, et cherche l'intérêt de Dieu. Or, l'intérêt de Dieu, c'est Anne, c'est Lise. Et Anne-Laure va vraiment tout faire pour que tout ce qui préoccupe Lise, ça aussi sa préoccupation. Voilà ce qui s'est passé les jours de Pentecôte. Quand l'un se regardait, il dit, ah, moi, je ne sais pas, dit, moi, j'ai gardé. Non, mon frère, là, je pense qu'il en a aussi besoin. L'intérêt de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, l'évangile est tellement si simple aussi. Quand nous descendons, quand nous prenons tellement si haut, on connaît beaucoup. C'est pour ça qu'on dit, mais quand j'aurai même la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas cet ABC-là, ça ne sert absolument de rien. Vous voyez qu'il est bon de s'aimer, frère. C'est pour ça que vous remarquez très bien, frères et sœurs, que c'est important que vous compreniez. On ne va peut-être pas rester longtemps, peut-être on va s'arrêter, mais c'est important que vous compreniez, frère, que quand la parole de Dieu nous est donnée, Dieu sait ce qu'il dit, il aura toujours 100% raison. Vous vous souvenez la question qu'on lui avait posée, mais quel est le premier, le plus grand de tout le commandement? La réponse, vous la connaissez tous, hein, à par cœur, vous pouvez me la répéter, et c'est bien d'ailleurs. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique. Tu l'aimeras de toute ton âme, de toute pensée, de tout ton être, de tout ce que tu es en fait. Et puis il ne s'arrête pas là, il dit, mais voici donc le second qui lui est semblable. Vous voyez la relation? Tu aimeras comme... Vous voyez la relation? Donc quand on a l'amour de Dieu dans son cœur, on a l'intérêt de Dieu. Alors on cherche, qu'est-ce qu'il pleut à Dieu? Qu'est-ce que Dieu voudrait effectivement aussi? Alors tu regardes, ah, c'est Anne-Laure. Alors Lise, quand elle se met à genoux, elle va glorifier d'abord, parce qu'il ne sait pas comment vous priez d'abord. On ne se met pas à genoux quand on dit Seigneur, j'ai des bobos, j'ai des... Non, commence à le louer d'abord. Tu es le plus grand, tu es le merveilleux. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Si le soleil s'est levé, c'est grâce à toi. Oh, que ton nom soit béni. Loue-le d'abord. Montre-lui qui il est. Que tu reconnais qui il est. Et après, tu peux lui dire. Exalté l'Éternel, notre Dieu. Éternel, vous. Et sa montagne sainte. C'est merveilleux, hein? Oui. Il faut savoir parler à Dieu. Mon frère et ma soeur, bien-aimé, sachez une chose qui est très importante. Et ça, nous devons être dedans. Le Seigneur, notre Dieu, toi, fille de Dieu, fils de Dieu, il ne peut rien vous refuser. Non, si. Il ne peut pas, mais il faut le connaître. Vous voyez, c'est quoi? C'est quelque part dans Osée, il dit, cherchez, connaissons l'Éternel. Il faut que nous connaissions en fait c'est Dieu et que nous sachions comment nous approcher de lui pour que nous obtenions effectivement ce qu'il nous demande.
Et ce que nous, nous avons comme besoin, pardon, ce que nous avons comme demande auprès de lui, en fait. Et si nous le lui demandons de la bonne manière, mais il nous donne effectivement cela. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, et je le rappelle toujours, j'ai dit, la prière de Jean 17. Amen. Ça, mon frère et ma soeur. Cette prière-là, que Dieu te bénisse. Ça, c'est une prière que Dieu a déjà exaucée. Parce que, regardez d'abord la manière dont il l'a exprimé cela. D'abord, il met l'accent d'abord sur ce que Dieu est. Parce que c'est toujours ça, mon frère, ma soeur. Ça projette, il faut que tu lui montres ce que toi, tu reconnais de lui. Amen. Pas par répétition. Amen. Mais parce que c'est toi qui ouvres ta bouche, mon frère. C'est pas un magnétophone qui tourne. Non, c'est toi qui parles à Dieu. Alors tu dois lui montrer. C'est pour ça qu'il dit, mais ce peuple m'approche de moi. Ça peut dire, mais par tradition, effectivement, il ne fait que la répétition. Et la crainte qu'il a de moi, c'est une crainte de tradition. Regardons-nous, frère et soeur. Rien ne peut nous être impossible. Donc je répète, rien. C'est la vérité. Amen. Mais parce que nous avons Dieu, frère. Alors ce qu'il y a, eh bien, ce que qui nous sachions vraiment. De quelle manière nous devons nous approcher de lui et comment lui demander quelque chose. Et puis, il nous dit quelque part, je crois, c'est dans un Jean, quelque part, il dit, mais non, non, si nous demandons quelque chose, hein, c'est bien, vous me suivez bien? Selon, pas selon ma volonté, selon mes désirs. Mais moi, je dois toujours chercher à pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à Dieu? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu voudrait vraiment que ce que je ferais qui lui ferait vraiment plaisir? Parce que je cherche à faire quelque chose qui lui fasse plaisir. Et comme je le répète encore, si son intérêt c'est Anne-Laure, alors je dois vraiment faire tout pour que Anne-Laure soit bien. Dans ce sens que si le bien de Anne-Laure dépend de moi, je dois. Alors, je ne veux pas sentir que je suis obligé de penser à lui, obligé de pouvoir faire du bien à lui. Non, je dis, c'est un plaisir. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Bon, peut-être pas, j'ai cité les noms de l'or. Non, ce sont des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre, parce qu'on ne sert pas Dieu dans l'ivagation. C'est pour ça que si vous détestez l'or, vous avez un problème avec Dieu. Vous comprenez? Donc vous avez intérêt à aimer un lore. Amen. Donc vous avez intérêt à aimer un lore. Amen. Parce qu'un lore est l'intérêt de Dieu. Amen. Lise aussi est l'intérêt de Dieu. Amen. Vladimir aussi est l'intérêt de Dieu. Sœur Irène aussi est l'intérêt de Dieu. Je vois la sœur Mariette qui lève la main. Chacun de vous hein, est l'intérêt de Dieu. Frère Christian est l'intérêt de Dieu. Donc quand vous l'aimez, c'est Fanny là-bas, mon bébé là-bas, chacun de vous. Mais c'est pour que nous comprenions effectivement ce que les Saintes Écritures veulent que nous puissions en fait, avoir effectivement en nous. Pour que vraiment que quand nous prions effectivement. C'est pour ça que la Bible nous fait savoir que quand tu veux faire ton offrande ou prier Dieu, que tu sens que tu as quelque chose contre quelqu'un. Laisse d'abord ton offrande. Va te réconcilier avec la personne. Ah oui, maintenant, quand tu reviens, tu pries vraiment, Dieu t'entend. Alors, si nous le prions selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Alors, si moi je sais qu'il m'écoute, je ne me tracasse plus. Ce que la Bible dit, hein, c'est que
Vous connaissez l'Écriture? Quelques-uns ne connaissent pas? Bon, j'entends des silences. On va quand même lire ça, c'est dans 1 Jean chapitre 5, je pense. 1 Jean au chapitre 5, je pense que c'est ça. Voilà. 1 Jean chapitre 5, verset 14, il nous dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc ça, ça ne peut pas manquer. Que Dieu te bénisse. Donc si je demande quelque chose selon sa volonté, ça veut dire que quand je me mets à genoux, je les glorifie d'abord. J'élève son nom, je reconnais sa suprématie, je reconnais son autorité, je reconnais sa puissance, bien sûr que oui. Vous savez, c'est dans les livres de, je pense, Daniel, hein, pour vous le lire, Daniel au chapitre 9, oui, que Dieu vous bénisse. Daniel au chapitre 9, vous voyez, ça c'est Daniel au chapitre 9, je pense que c'est cela, nous pouvons... encore, ouais. Voilà. Mais c'est ça. Voilà. 9, verset 1, il dit « La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, hein, qui devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné donc ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et aussi la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable. » Vous voyez comment l'homme s'approche de Dieu. Il montre d'abord qui il est en fait. « Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent donc tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes donc détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, et la justice. À nous, la confusion des faces. En ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu as chassé à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès de toi, auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné effectivement, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs et qui nous ont aussi gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'a jamais arrivé sous les ciels entiers une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toutes ces calamités venues sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu et nous ne sommes pas détournés de nos iniquités et n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte,
par ta main puissante et qui te fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville sainte de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères Jérusalem, ton peuple soit nos propres à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière, la supplication de serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille. Voyez cette manière que cet homme ici, il prie, il montre toujours sa grandeur, montre toujours sa bonté, sa main bénie. C'est comme cela que nous devons prier Dieu. Jamais de plaintes. Oh Seigneur, toujours j'étais prié, mais les bobos restent toujours. Non. Reconnais que Dieu est celui qui a déjà fait pour toi. C'est-à-dire qu'il y a cette... Glorifie Dieu. Reconnais ce qu'il est capable de pouvoir faire. Vous voyez, frères et sœurs, c'est aussi quand Paul et Silas étaient aussi enfermés aussi dans la prison. On le frappait, on le flagellait. Si c'était nous, on dirait, mais Seigneur, c'est pas possible, j'ai prêché quand même ta parole, je ne sais. Et pourquoi ces calamités m'arrivent effectivement? Non, ils n'ont pas regardé cela. Alors ils ont commencé à louer Dieu, à chanter les chants pour la gloire de Dieu, reconnaissant que ce qui se passe pour eux, c'est aussi une grâce. Grâce que Dieu nous a accordé non seulement de pouvoir vivre pour lui, mais aussi de souffrir aussi pour lui. Donc ils ont reconnu cela effectivement en chantant. Et c'est par là effectivement que les portes se sont ouvertes en fait, de la prison dans laquelle... Alors comme je disais, c'est toujours très important, parce que nous avons besoin que Dieu nous écoute dans nos prières effectivement. Et Dieu ne peut pas rester sourd à nos prières, mais c'est parce que nous ne savons pas comment lui parler. Il n'est pas un homme, il n'est pas un oncle ou une tante, je ne sais pas moi qui, ou un grand-père, ou ceci, cela, pour que nous lui parlons de la manière dont on parle effectivement aux hommes. Mais d'abord, il faut qu'on connaisse qu'il est Dieu. C'est la raison pour laquelle aussi que vous pouvez remarquer que les disciples ont posé la question, ils ont dit, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Vous en avez besoin. C'est pour ça qu'il leur a dit, mais écoutez, viens, approchez-vous. Il me dit, mais quand vous priez, ne vous multipliez pas des vaines redites. Vous n'avez pas besoin de pouvoir. Parce que nous avons affaire à ces dieux tellement si grands. Quand il te regarde, il sait déjà. Donc ton problème aux yeux de Dieu ne lui est pas caché. En fait, nous ne réalisons pas effectivement que quand nous nous approchons de lui, il connaît déjà. Il sait pourquoi tu t'approches. Il sait quel est le problème qui te tracasse au plus profond de toi, effectivement. Alors, ce qu'il attend de toi, c'est la sincérité. Mais que tu saches déjà que mon problème ici, Seigneur, tu as déjà la solution. Je viens auprès de toi parce que je connais ta capacité. Seigneur, à moi la honte parce que j'ai manqué à ton endroit. Mais je sais une chose, que toi, mon Dieu, si tu dis seulement un seul mot, toutes ces choses ici seront effacées parce que tu as la capacité. Montre-lui que tu sais qui il est. Alors, vous savez, aujourd'hui, j'avais mon cœur percé et j'avais des larmes qui coulaient. J'ai dit, Seigneur Jésus. Mon frère Samuel m'a envoyé en fait un message sur WhatsApp, il était vraiment long. Donc là, j'ai dit, Dieu, tu es vraiment le Dieu de ta parole. Vous vous souvenez, et puis c'est lui-même qui, dans son message, il me rappelle, il avait de la reconnaissance à l'endroit des dieux. Il me rappelle une chose, il dit, c'est vraiment, il dit vraiment que le Seigneur te bénisse. Je lisais, il dit, mais, il dit, le jour où tu as eu à pouvoir vraiment demander, il dit que le Seigneur t'a qu'on va prier pour nos enfants. Vous savez ce qui était touchant, frères et sœurs? Moi, je ne savais pas, parce que j'étais ici devant, je priais pour, parce que pour les uns, tu as dit, bon, pour ça, pour la légère. Mais Dieu savait. Et si il nous avait demandé qu'on prie pour nos enfants, si vous avez négligé de venir avec votre enfant, c'est votre problème. Ouais.
Mais ce jour-là, vous l'avez remarqué. Amen. Il a fait. Alors moi, j'avais les yeux fermés et je priais effectivement pour nos enfants. Effectivement, vous vous souvenez, pour tous ceux qui étaient là. J'avais tous les yeux fermés. Mais il y a la sœur Carole, qui est au Canada et qui priait aussi parce qu'elle était là. Effectivement, je crois que c'est, je sais pas ce qui s'est passé pour ses enfants, mais elle était là aussi pour prier aussi pour ses petits enfants. Elle m'a écrit après donc la prière, quand je suis donc rentré. Et aussi, et là, c'était aussi la présence du Seigneur, effectivement, c'est passé. Elle me dit ceci, mais frère, quelque chose m'a touché. J'ai dit quoi? Elle dit, mais c'est frère Samuel. Ah non, ça donne envie de pleurer. C'est extraordinaire. Le frère Samuel est venu avec la photo de ses enfants. J'ai dit, pardon? Il dit, mais oui. Il s'est mis à genoux là, en train de prier avec la photo de ses enfants. J'ai dit, Dieu du ciel, non. Il dit, quelle foi? Non. Non, Dieu est miséricordieux. Que Dieu nous aide, effectivement, aussi. Alors là, il me dit qu'il était donc parti pour voir ses enfants. Les triplés, vous connaissez bien, hein, à ce qu'il passe des moments difficiles. Puis il arrive là, dans le lieu où on les a mis pour qu'ils puissent voir les enfants. Bon, je crois qu'il y avait des enfants. Déjà, Saranitz était là aussi, je pense aussi. Mais, et puis bon, il y avait un tableau qui était là derrière. Et il rentre, il voit le tableau qui était vraiment, on avait écrit quelque chose sur le tableau. Et je crois que, j'ai oublié ça, parce que c'était sur le message qu'il m'a envoyé. Je crois que dans ce tableau-là, on avait écrit, c'était un Pierre, je sais plus si c'est 4 ou 8, je suppose, mais il va nous parler, va peut-être, bon, il doit venir, c'est un peu long, enfin bref. Et en fait, je crois que c'est un Pierre, attendez, je vais peut-être en vérifier. Mon grand, s'il peut demander un peu le chapitre d'un verset à notre frère Samuel, comme ça, je peux le lire ici. Je vais vérifier d'abord si c'est un Pierre, chapitre 4, je suppose que c'est ça, c'est 4, verset 8. Hein. Ah, merci. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Il dit 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. C'est comme ça chez vous aussi. Car la charité couvre une multitude de péchés. Alors, et je crois que c'est juste ce verset 8 seulement. Hein. Voilà. Alors il a trouvé ça sur le tableau. Et puis il s'assied, il pose la question au triplé. Il dit, mais qui a, parce qu'ils ont dessiné un peu le cadavre, mais qui a eu écrire ceci? Ses enfants répondent que c'est nous qui avons écrit. Il dit, non, c'est vous qui avez écrit. Il dit, oui, mais papa, nous voulons te dire une chose. Nous ici, nous avons le désir de venir à l'église. Il dit, nous avons demandé à ces gens qui travaillent ici, il dit, pour nous ici, la décision qu'on a prise, il faut que nous retournions à l'église pour aller prier. Mon frère et ma soeur, le juge a été saisi de ce problème. Non, vous savez. Frère Samuel était étonné. Parce qu'en fait, la décision est favorable pour que les enfants. Alors, on a demandé à l'assistance sociale de les accompagner à l'église. Donc, le jeudi et le mardi, ils vont commencer à l'église. Non, vous savez, frères et sœurs, nous, Dieu fait des grandes choses. Nous avons besoin de rester dans la prière, frères et sœurs. C'est quelque chose. En fait, les frères nous disent, mais c'était quelque chose que je ne pouvais jamais penser. Donc, pendant qu'on enfermait mes enfants là-bas,
Dieu travaillait. Non, non, mais... Non, Dieu travaillait le cœur. Et ça va dire, nous voulons aller à l'église. Elle dit, mais si c'est votre désir, eh bien sûr, vous pouvez aller à l'église. Non, Dieu. Nous servons un Dieu qui est vraiment... Alors il se souvient, il dit, la prière de ces jours-là, quand je suis venu avec pour pouvoir prier, mais il dit, j'ai remercié Dieu qui est prévu à ce jour-là. Frères et sœurs, non, Dieu est bon. Il veille. Il est bon. C'est pour ça que nous devons apprendre à pouvoir prier ces dieux selon donc sa volonté. Dieu ne peut pas nous refuser quelque chose. Nous avons besoin de pouvoir, comme l'apôtre Paul le disait, prier avec persévérance. Les choses impossibles, pour Dieu, ça n'existe pas. Alléluia! Vous savez, j'ai entendu des témoignages aujourd'hui. Non, Dieu est vraiment... Notre Dieu que nous prions, il est vraiment vivant. Oui, oui, c'est parce que nous ne prenons pas à cœur, effectivement, sa dimension et sa grandeur à cause des habitudes. Ces enfants que vous avez aimés, l'ont triplé là, vous le verrez. Que Dieu vous bénisse. Mon grand, viens, on va chanter ce cantique-là. Hein. Chaque jour, cher Seigneur, je te dis, oh Seigneur. Alors on va prier d'abord. Hein. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci ce soir. Vraiment, merci pour notre précieux frère Samuel, pour cet amour qu'il a toujours eu pour toi. Toi, tu manifestes une grâce extraordinaire et c'est d'amour que tu nous témoignes tous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu connais combien nous sommes liés, c'est triplé, nous appartient. Benjamin aussi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et tu as fait quelque chose qui touche nos cœurs, mon bénémoine Père Saint-Dieu. La gloire et l'honneur te reviennent encore aujourd'hui. Merci, notre Père. Merci, notre Dieu. Merci pour ta bonté. Nous te remettons nos enfants, nos petits-enfants, les enfants de nos frères, les enfants de nos sœurs, le bien-être de notre frère, de notre sœur. Oh Dieu, entre tes mains, Sauveur béni, Père Saint-Dieu. Déverse en nous encore cet amour béni, Père Saint-Dieu, ton amour divin, à l'intérieur de notre âme, Seigneur. Gloire et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, nous voyons ta main puissante agir encore, Père Saint-Dieu. Parmi ton peuple, mon roi. Oh Dieu, dans notre vie, Père, nous savons, bénémoine Père Saint-Dieu, que tu es vivant, l'étoile brillante du matin, Seigneur. Le Dieu qui éclaire encore davantage, qui soutient, mon roi. Alléluia! Louange et honneur à toi. Merci, mon roi. Ta présence glorieuse est bénie, mon roi. Et tu nous soutiens, tu nous fortifies, mon roi. Tu nous consoles, mon bénémoine Père. Loué soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Lorsque tu dis, Seigneur, la chose arrive, mon bénémoine Père, Saint-Dieu. Quand tu ordonnes, mon roi, elle existe, mon bénémoine Père, oh Dieu. Nous possédons, Père, oh Dieu, la part de mes ennemis, mon roi. Alléluia. Loué soit l'Éternel, notre béni. Béni soit ton Saint-Nom. L'honneur et la gloire. La puissance t'appartient, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oui, l'autorité divine. Tu es l'autorité, mon roi. La parole et la vie, Seigneur. Merci. 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 Tu es roi. Béni soit ton Seigneur. Merci.
es le spécialiste, Seigneur, des cas impossibles, notre Dieu. Sois loué, notre Dieu. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, dans le secret, tu agis, notre Dieu. Oh, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de te bénir.
de Dieu.